aujourd'hui il est né. Mais que s'est-il passé 9 mois avant le premier Noël? Il y a de cela plus de 2000 ans. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on partage nos sites, qu'on donne un site, si tu veux, en programmation. Les petites cabanes, les installations qui sont là, sont données à des partenaires culturels. Donc, si je vais, j'y vais d'est en ouest, donc si on part à la Statue de Champlain, c'est un site dédié à la création théâtrale. Donc, c'est un projet de relève, c'est vraiment un projet de relève théâtrale, mais une création, un laboratoire unique. Ensuite, si on redescend, on s'en vient vers la rue Sainte-Anne, un projet d'exposition photo avec des jeunes immigrants de Québec. Donc, pour nous, d'avoir une main tendue vers l'immigration, c'est important. Le marché de Noël allemand est aussi une initiative immigrante. C'est des Allemands qui ont parti ça. Du côté de Pantoum, du côté des jardins de l'Hôtel de Ville, on a une programmation musicale, 15 spectacles en 5 jours, à 14h30, 16h30, 18h30. Et ces spectacles-là se font dans un contexte où il y a une offre alimentaire autour intéressante. Il y a des micro-brasseries sur place, donc très festif, très épicurien sur le savoir-vivre québécois. Toute la musique locale, toute la musique de Québec. Donc, super projet. C'est le bar, le Winter Bar du marché qui devient une scène. Donc, quelque chose qui est encore dans l'intime. On n'est pas dans le grand déploiement, on reste dans la proximité. Puis enfin, si on continue, on se retrouve à Place Diouville. J'y arrive. C'est le site consacré au patrimoine vivant, le savoir-faire des artisans, le conte, la gigue, la musique, tout ce qui concerne le patrimoine oral, le patrimoine, le savoir-faire. Donc, ça aussi, ça va être super. Dans le temps des fêtes, on n'a pas le choix. Il faut quand même donner une place à ça à quelques moments dans l'année. Notre mission, en fait, c'est de mettre de l'avant les arts traditionnels, le patrimoine vivant, tout au long de l'année et dans toutes les occasions possibles. Ce qui fait que de recevoir l'invitation comme ça du marché de Noël allemand à venir prendre part à la programmation de Kaléidoscope, c'était super parce que plutôt que d'être cantonné dans un créneau seulement, on est avec plein d'autres formes d'art et on vient vraiment jouer notre rôle social aussi, d'échange, de rencontres. Puis je pense que c'est vraiment merveilleux comme ça de faire partie de la programmation puis de donner l'occasion aux gens de Québec et aussi aux visiteurs qu'on aura pendant le temps des fêtes de venir découvrir puis expérimenter tout ça. On a ajouté poésie parce que dans la V1, on sentait qu'il nous manquait un volet participatif, un volet où le spectateur est aussi l'acteur. Dans le ciel, au-dessus de l'édifice Price, une seule étoile sur laquelle tu souffles. Ce sont les vieux cantiques, l'encens, la myrrhe, l'enfant, le récit des constellations et le fruit sanglant du houx, l'odeur du sapin et du feu, la victoire de la neige.